inspiré de ce que j'ai appris depuis des années dans un endroit dans l'Oregon aux États-Unis qui s'appelle Bretton Bush Hot Springs et s'appelle l'Edu. Juste accueillez la perception de votre corps maintenant debout et vous pouvez commencer par vous accueillir vous-même, d'aller chercher la santé à l'intérieur de vous. Les genoux un peu déverrouillés, juste puisqu'on n'a pas le droit de toucher les autres, de se faire un câlin déjà en tournant bien d'un côté, tournant de l'autre. Vous respirez bien, le bassin ne bouge pas et vous regardez en arrière d'un côté et de l'autre. Respirez bien, ouvrez bien et sentir comme ça fait d'être bien avec soi-même. Puis vous relâchez et sentez les deux mains face au cœur. Vous pouvez percevoir que comme le matin, on va plonger dans cette journée à partir du cœur, faire ce mouvement à partir du cœur, les genoux déverrouillés, plonger et accueillir en inspirant, ouvrir la vie, la lumière qui vient et laisser ramener entre les mains cette lumière, prendre comme un ballon dans les mains et à partir de ce ballon, on va ouvrir comme si on ouvrait les différents centres. On peut tourner autour du bassin, toujours les genoux déverrouillés, autour du ventre, autour du plexus solaire, autour du thorax, du cœur, de la gorge, laisser bâiller et sentir ce corps énergétique qui est vous-même, sentir dans les mains cette énergie. Et maintenant avec ce ballon, on va imaginer le mouvement du soleil le matin, qui part le matin, qui fait le tour, qui revient, qui descend, et qui fait ce mouvement de l'infini. Vous relâchez bien, laissez ouvrir dans votre thorax, le mouvement du soleil, le mouvement de l'infini. C'est les deux pouces que vous suivez. Voilà. Le bassin est immobile, mais il n'est pas fixe. C'est une immobilité dynamique. Sentez votre axe central. Très bien. Et là, vous arrêtez et vous partez à l'inverse avec les petits doigts. C'est le mouvement de la lune. On peut inclure tout le cosmos à ce mouvement de la lune qui ouvre, qui descend. Les deux, la lune et le soleil, fonctionnent ensemble. Relâchez bien les épaules et vous pouvez ramener les deux mains prêts à offrir, comme ça dans vos deux mains, cette journée et ce que vous êtes. Et vous pouvez tourner autour de votre axe, et les deux mains ouvertes par rapport à ce qui se... Voilà. Respirez. Et maintenant, on va aller cueillir des fruits, utiliser les chaînes de fascia, d'organes, comme si vous vouliez aller chercher en haut à gauche un fruit mûr et vous l'amenez en bas à droite dans un panier. Vous prenez la main droite et vous faites la même chose. La main droite, tournez, faites un mouvement en 8, pareil derrière. La main gauche, prenez, vous descendez. Maintenant, vous allez prendre en bas à gauche, en diagonale, vous allez porter en haut derrière, comme si vous ramassiez un légume. Écoutez le cri de la carotte que vous retirez de la terre et vous amenez. Vous reprenez en bas à gauche, vous amenez derrière à droite. En faisant bien un mouvement circulaire avec les mains, en bas d'un côté, et vous revenez. Et maintenant, vous allez prendre derrière à droite et amener en haut à gauche. Prenez derrière à droite et vous amenez en haut à gauche. Vous prenez derrière à gauche et vous amenez en haut à droite. Toujours autour de votre axe central, sentez que ça réchauffe votre axe central. Et maintenant, vous allez prendre en haut à gauche derrière, vous allez amener en bas devant à droite. En haut à gauche, en bas à droite. En haut à droite et vous descendez en bas à gauche. En bas à droite et vous suivez avec les yeux ce mouvement.
Et maintenant, vous pouvez reprendre le mouvement avec les deux pouces du soleil. Respirez bien, sentez la liberté dans votre corps, le bien-être, les oiseaux autour, le beau temps et le mouvement de la lune qui complète le mouvement du soleil. Très bien. Et revenir maintenant, porter comme si vous portiez dans vos mains le petit enfant qui est toujours présent chacun de nous. Voilà, il lui a apporté du réconfort et de la joie. Et maintenant, on peut, avec les mains, faire comme si on avait de la lumière au bout de chaque doigt et d'envoyer à tout l'univers d'un côté et de l'autre, d'ouvrir le thorax, d'ouvrir comme le mouvement de balancier qui va d'un côté et de l'autre. Voilà. Ouvrir encore. Très bien. Et ramener, maintenant, on peut imaginez que dans le flot de la vie, on est sur un canoë et qu'on peut avancer sur ce canoë. Si on va dans le sens de la vie, en ce moment, sentez comme ça coule, les choses difficiles vont passer, les virus vont passer, ils auront fait leur travail. Mais si on va à sens inverse, regardez si vous ramez à contre-courant, essayez d'aller dans le sens inverse, sentez comme ça tire sur les reins, ça tire sur les peurs, qui reviennent. Voilà. Donc il vaut mieux aller dans le sens du courant qui va nous ramener au niveau du cœur. Si vous voulez revenir au niveau du cœur, les genoux déverrouillés, sentez le lien entre les battements de votre cœur et votre respiration. Voilà. D'inspirer sur 5 ou 6 battements du cœur, faire une pause et de souffler sur 5 ou 6 battements du cœur et de faire une pause. Inspirer sur 5 ou 6 battements du cœur, une pause. Expirer sur 5 ou 6 battements du cœur. À l'inspire, on peut associer des mots qui sont joie, amour, harmonie, les mots qui vous viennent. Et à l'expire, vous videz par les voies naturelles tout ce qui est difficile, toutes les peurs, les inquiétudes, tout ce qui va manger notre système de défense, notre système nerveux. À l'inspire, laissez venir les mots qui vous parlent. Et vous videz à l'expire. Vous inspirez, ouvrez petit à petit, vous laissez ouvrir vos mains à la terre entière, à l'espace, à tous les humains de cette planète, d'amener la paix, l'amour, la lumière, ouvrir et sentir écouter le silence. Relâchez les bras et ressentez maintenant la présence de la nature, la présence des autres, et comment on peut solliciter toutes les capacités d'auto-équilibration qui sont présentes en nous de cette façon. Je vous souhaite une bonne journée.